Aujourd'hui, nous sommes du côté de la place Carnot, dans le 2e arrondissement, pour découvrir un établissement qui fait partie des toques blanches lyonnaises, la brasserie Espace Carnot. Je me suis faufilée en cuisine pour rencontrer le chef Roger Jaloux, meilleur ouvrier de France. Parfait. Tu veux mieux ? Hein ? Rien de plus. Hein ? Tu aurais été avec M. Paul, hein ? Tu aurais dit, bon, dis donc, t'es un grand cuisinier, toi. Tu as fait un grand cuisinier. Bonjour, je suis ici, moi je suis resté 40 ans avec M. Paul. La retraite m'a pas convenu, donc j'ai pris avec des amis ce restaurant. J'ai une très bonne équipe de 10 cuisiniers en bord parce que je suis compagnon du Tour de France, donc il faut que je leur montre leur savoir-faire. La cuisine que je fais, c'est la cuisine de goût. La cuisine que M. Paul n'a jamais voulu changer. Donc vous avez pu voir les rôtis de veau, toutes ces sauces. C'est une cuisine de goût. Bon produit, bonne sauce et tout est gagné. On commence la découverte de la carte avec les entrées que l'on peut retrouver dans le menu lyonnais. Il s'agit des œufs pochés en meurette, lard, croûtons et champignons et du pâté en croûte maison au riz de veau et pistache. Au rez-de-chaussée, un comptoir où l'on peut prendre le petit déjeuner comme l'apéritif, puisque le bar est ouvert de 7 à 1h du matin. Du côté des plats, le chef nous a préparé un suprême de poulet fermier avec une petite sauce au morille, ainsi que des Saint-Jacques rôtis sur un bidon d'olive braisé à l'orange. Nous voici à l'étage. Ici, nous avons une belle salle de restauration avec des tables drapées en soirée et une vue directe sur la place Carnot. L'espace Carnot est ce que l'on appelle une brasserie chic. L'ambiance est conviviale et chaleureuse, le service soigné et la décoration sobre et élégante. En dessert, une belle tarte aux pommes a été préparée en cuisine, ainsi qu'une île flottante dont on a une part très généreuse.